Voilà, les frères, comme vous nous voyez là, je suis avec mon oncle. Comme je vous dis chaque fois, les jeunes, que cherchons l'argent, travaillons. Hein, oncle, arrête un peu. Travaillons, cherchons l'argent. Tu nous vois, oncle, arrête. Tu nous vois, vous nous voyez comme ça là, on est en train d'aller acheter la boisson. On peut acheter la boisson comme ça. Nous sommes à la réunion familiale. Nous sortons comme ça de la réunion familiale. Oui, oui. Je vais vous raconter une histoire, l'histoire de mon père. Vraiment, si vous avez un père comme le mien, oh, vraiment. C'est-à-dire, nous sommes à la réunion familiale. Nous avons siégé. La réunion s'est très bien passée. Mais ça, le père même allait avec nous. Nous, ses petits-enfants, ben, c'est mon oncle ici. Nous partager le terrain, nous montrer. C'est-à-dire, la position que mon père m'a donnée, oh, c'était une position stratégique. Une position très chic. Alors, voilà que la réunion est finie, on s'apprête déjà à manger. Soudain, mon petit frère atterrit dans la cour avec la voiture. Mon quatrième petit frère dans la cour avec la voiture. Une grosse voiture. Une grosse voiture. Alors, mon père, tout le monde commence à se plaindre. Même mon père était le premier à gronder. Ça, c'est quelle heure? Hein? La réunion est prévue à 8h. Tu arrives à 15h. Patati patata, tout le monde commence à bavarder. Directement, mon petit demande aux jeunes enfants qui étaient dans la salle, allez porter les 6 canettes, les 6 palettes de canettes là, les canettes. Des canettes vous déposez sur la table, on va boire. Et vous portez les 4 cartons de vin là, vous mettez dans la chambre du père avec les boîtes de lait et le pain, vous mettez dans sa chambre. Il va souvent prendre le petit déjeuner et quand ses amis vont venir, ils vont perdre le temps avec le vin là. Là, 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 mon père a changé une fois d'idée. Il m'a nommé président des séances à la réunion. Et j'ai bien dirigé la séance. Le père dit une fois qu'on va recommencer avec la réunion. Alors qu'on a commencé depuis 8h. Mais à 15h, le père dit qu'on va recommencer avec la réunion. Qu'est-ce qui ne va pas? Le père dit tais-toi. Petit voyou, quand je parle, tu te tais. Tu la fermes. C'est mon père. On va respecter le père. Il dit, ah, tout le monde est d'accord. On va reprendre la réunion. À peine mon petit s'assoit. Le père enlève le pouvoir de président des séances qu'il m'avait donné. Pour lui donner. Pour lui donner. À cause de la corruption. Ce n'est même pas question de corruption, mon frère. Je dis que l'argent est bien. L'argent. Mon petit vient d'abord propre. C'est pour ça que je dis que l'eau lave et l'argent rend propre. Oui. Moi-même, je me lave même que dans le marigot. Mais jusqu'à là, je suis toujours sale. Toujours sale. Alors mon petit arrive. On le nomme président des séances. On siège. Malgré qu'on avait le cœur, on siège, on accepte. La dictature et tout le reste, tout ce qu'il dit, on accepte seulement. À la fin, le père arrête sa main. Et monte encore à l'entrée, il lui montre le terrain qu'il m'avait hier donné que « Mon fils, voici le terrain où tu peux venir faire quelque chose. » C'est-à-dire, change ta part contre pour lui. Quand je veux me plaindre, mon oncle était là. Quand je veux me plaindre, il dit, mon père dit « Un voyou comme toi, depuis 25 ans que tu as Yaoundé, tu loues dans une maison. Oh, à Yaoundé, où loues, tu me tapes. » Une maison qu'on a avec la boue et tout le reste, tu viens bavarder ici. Voilà, c'est ton quatrième petit frère comme ça là, qui a une grosse voiture. Toi, tu es venu avec quoi? Tu as quoi? Nous voici en train de prendre. J'ai dit que mon père, c'est comment? Tu me parlais déjà comme ça. C'est, il dit que tais-toi, tu la fermes, tu me la boues, tu blagues, je vais te maudire. Le pouvoir d'argent, les jeunes cherchons l'argent, pas de champ cap, cherchons l'argent, pas de champ cap, cap. Mon ima kabapon. Vraiment, vous voyez, voilà mon oncle. Nous sommes. On peut acheter la boisson. Mon oncle. Le quatrième petit frère. Ouais. Mon quatrième petit frère. Je suis avec mon oncle. On part comme ça acheter la boisson. C'est mon quatrième petit frère qui demande, qui nous envoie aller acheter la boisson. Est-ce que vous regardez notre état? Regardez comment nous sommes. Regardez. Moi-même, regardez comment moi je viens. Moi, j'ai même mis mes babous. Je croyais que j'étais même propre. J'étais chaud. Hein, oncle, mais mieux quand même, c'est moi, hein, non, oncle, parce que toi tu es resté au village. Malgré que je suis dans les carabots à Yaoundé, je suis quand même à Yaoundé. Oui, toi tu es resté. Tu avais le président de la République, je vais faire comment? Tu es un villageois. C'est ça. Mais c'est à moi qu'on a donné l'occasion. Non, porte ta croix, mon frère. Alors, allons acheter le vin, mon frère. Allons acheter la boisson. On va faire. Oui, allons. La vie, c'est comme ça, mon frère. Les gens sont là pour porter le sac des autres. Hein? Quand tu n'as rien, tu vas faire comment? C'est bon? Le rythme était bon, j'espère. Abonnez-vous et aidez-moi à partager ma famille YouTube. Mes potes qu'on commente au quotidien. Laissez-moi aussi les commentaires ici. Hein? On va continuer à jouer comme d'habitude, quoi.
Bisous, je vous love.